Allô, allô, tout le monde, comment nous y est? Tout le monde en forme? Ok, en tout cas, merci pour le bon visionnement et bien avec quelques commentaires que moi je viens. Et m'a salué Samuel Eliezer. En pile respect, Samuel, gros technicien en forme qui est là. Jodi, nous fait montage ça sous 48 vols qui est plus efficace que ni 24, ni 12 vols, ni 36 vols. Parce que fil n'a pas utilisé pour montage 48 vols, là, pas obligé trop gros, c'est-à-dire fil qui saute dans la batterie. Et il n'est pas obligé trop gros, c'est-à-dire qu'il coûte moins scob avant tout. Et si toutefois nous n'avons pas de payer fil qui est plus gros, nous avons utilisé fil qui est supporté, mais qui n'est pas vraiment, vraiment efficace pour ça. Fil ça va chauffer, de ce fait, nous avons généré des pertes. Nous avons des pertes dans le système. C'est-à-dire. De temps, nous faisons un système sous pi ou haut voltage les plus efficaces. Généralement, nous ne respectons pas les normes en Haïti, nous ne respectons pas les principes, nous faisons juste fait, ben, nous faisons que nous faisons pourvu que nous jouons le courant. Et ça fait des fois, tout négligence, ça fait que nous avons un gros problème. Par exemple, quand on prend 10 faits, ou du moins, il veut nous sauter, ou bien, on l'autre barre quelqu'un. C'est-à-dire, et nous avons intérêt à respecter ça, manufacturer, les fonds appareils, nous avons main sous qui bagaille pour nous. Et faire fonctionner, nous avons intérêt à respecter ça parce que c'est pour bien nous et c'est pour bénéfice nous d'une façon ou d'une autre. Bon, et je dis à nous faire un montage sur 48 vols et que montage ça fait au CAI, nous sommes à Haïti dans la semaine. Là. Alors, dans la semaine qui se passe, yo, et nous avons gagné tout visionnement, yo, tout pendant notre chantier, nous avons travaillé, nous avons gagné une vidéo ça, yo, tout à l'heure. Et ça seulement, et qualité son, il n'y a pas trop bon parce qu'on est nous fait en plein air et puis il y a vent. Donc, mais on attendait quand même, on attendait tout et puis on a prouvé tous les détails, tout bien nous fait. Qui ça nous fait dans le système ça qui est différent de l'autre là? Alors, l'autre nous qu'on fait, le système ça nous mettait plus protection là-dedans. C'est-à-dire, nous mettait un circuit breaker qui sortit dans la charge contrôleur, elle a voué courant par la batterie pour charger la batterie. C'est-à-dire, dans le cap ça, cap positif là. Songez, câble positif, c'est là-dedans pour nous toujours mettre fuse, yo, ou bien un circuit breaker, ou bien c'est nous mettre un switch on-off que nous mettons dans le système ça tout. Switch on-off là, nous mettons dans la batterie, par exemple, côté l'absorbe, côté batterie à part l'inverteur. Non seulement nous avons un fuse là tout, nous avons un fuse de 175 ampères que nous mettons qui sortit qui entre batterie et inverteur pour dire plus précisément. Dans la fin de la vidéo, on a vu qu'il y a un petit fait noir côté batterie placé. Et là, un petit fait noir, alors nous n'avons pas besoin de mettre une ampoule là parce que c'est pour un côté où nous n'avons pas accès à elle, c'est un côté où nous fermé complètement isolé de tout l'autre côté. C'est-à-dire pour que nous ne pouvons pas venir jouer là-dedans. Et puis, alors son côté qui est sous deux, mais en bas un escalier, c'est-à-dire pas de rapport avec ça. Et son j'aime dit faut ne pas mettre batterie côté monde à circuler parce que batterie dégage gaz qui pas trop et bon pour santé monde. C'est-à-dire même le nous fait il pas déranger nous connait mais tout autant il va venir déranger nous. Donc pas mettre batterie côté pour n'a fonctionner au jour le jour, il pas mettre dans chambre, pas mettre dans douche, mettre dans côté sous de yo même s'il fait partie de cala par exemple par un escalier ou bien côté sous de yo côté qui pas dégagement gaz à pas venir nocif pour nous même qui en dedans. Après ça, et si nous avons remarqué sur le bord là, nous quittons l'espace plus sur le gauche, c'est parce que nous avons à la longue pour nous mettre un automatic transfer switch. Donc c'est parce que son bain nous a fait à la va-vite. Nous n'avons pas besoin de tout équipement, nous n'avons pas de laver, nous n'avons pas de laver. Donc à la longue, nous avons mettre un automatic transfer switch qui est normalement le système ça a fait pour faire tout le cas fonctionner très bien, parce que mon frigidaire sous lit, que vous faites glace tout le temps, il n'y a pas de problème à longueur de journée et puis. Utiliser fait à repasser tout et puis ampoule dans cas là et puis charger tout téléphone tiens de base bon. Généralement en Haïti nous pas plus que ça vraiment et alors si on a fait plus que ça ok le cas dépasser 3000 watts là mais on inverte 3000 watts c'est tout ce qu'il faut c'est idéal pour un cas. L'autre conseil que nous avons monde qui a fonctionné sous inverte seulement avec système solaire pas utiliser deux bagailles à la fois c'est à dire ou utiliser son besoin dans un moment. Parce que ou pas le mettre en l'épreuve pour dire que je remplis le courant, bon fais ceci, bon fais l'autre. Bon, c'est comme si on l'argent gagne la banque. Ou gagne l'argent dans la banque, on ne peut pas le prendre tout d'un seul coup, dire bon marché ceci, bon marché c'est l'autre. Bon, on peut utiliser avec un pile intelligence. C'est-à-dire, on a besoin alors acheter
ça que observe dans moment, donc c'est de même. Et ça on va utiliser dans moment, c'est l'eau servi et puis après ça on éteint. Par exemple, si on regarde la télévision, mon gros télévision 50 pouces qui était allumé par exemple, et puis même le frigidaire qui a fonctionné tout, qu'on a besoin de passer, on connaît logiquement faut me déconnecter frigidaire même là il veut me supporter le batterie mais kembe lui. Même pas gain intérêt mettre bail là aller pour parce que nous pas gain droit dépasser 50% capacité batterie songez ça li sont non pour l'aide acide batterie si nous gain lithium batterie que nous pour explorer énormément dans jour qui va venir si nous gain lithium batterie li pas déranger mais avec l'aide acide batterie ou bien sealed acide batterie nous pas besoin à mettre batterie au plus bas que 50% capacité c'est ça pour faire batterie à bon et vie pour le barou, batterie a duré tant pour le barou sous besoin et pour longtemps alors, vous comprenez? Parce que si nous mettons à l'épreuve ou bien si nous utilisons la batterie jusqu'à ce que nous déchargeons totalement ou bien plus bas que 50% et si nous avons prêté nos batteries avant 2 ans, il n'est pas capable encore, avant 3 ans, il n'est pas capable encore. Nous gagnons 4 panneaux soleil, chaque graine c'est 330 watts durée. Et puis pour série ça nous fait une nouvelle expérience qui c'est 48 volts. C'est-à-dire le système ça a monté sur 48 volts. Inverter noir doit 48 volts et puis chaque contrôleur à tout doit 48 volts. Très important. C'est-à-dire depuis notre système, si notre système de 12 volts, inverter de 12 volts, charge contrôleur de 12 volts. Si notre système 24 volts, inverter de 24 volts, charge contrôleur à 24 volts. Système ça nous fait sur 48 volts. Alors si nous faisons sur 36 volts tout. Inverter 36 volts, charge contrôleur 36 volts, ça nous fait sur 48 volts. Inverter 48 volts, charge contrôleur 48 volts. Et puis, la seule différence, nous allons ajouter fuse de tous côtés. Nous mettons fuse dans le soleil, pas dans le soleil. C'est-à-dire, ça avec ça pour aller en série. Et bien, nous mettons fuse dans le positif MC4 jack là. Ça avec ça pour aller en série. Et bien, dans le jack positif MC4 là, nous allons ajouter fuse dans tout. Et puis après, nous allons mettre Y branch. Hein. Ok, ça va pour positif, positif. Et bien, sortir positif là. Et bien, nous allons confirmer. Là, et puis ça va prendre là négatif négatif et puis il va sortir négatif là va le mal cap menel là cap noir qui c'est négatif là. Donc nous faisons une nouvelle expérience pour 48 volts parce que les plus rentables en termes d'énergie c'est à dire qu'il y a moins perte et puis année ça nous avons batterie capacité de checker faut 48 volts tout faut supporter 48 volts que nous fait en gros c'est ça c'est le système là ça nous juste au caille donc nous venons faire installation ça et que nous parlons bas pour nous vérifier tout le reste et bah ok nous éviter pour filer pourri nous juste protéger avec PVC et puis en gros c'est ça en gros c'est ça nous pas juste garder les composants qui en bas pour nous finir faire montage là et puis nous mettre courant dans là ok. Le fil ça, le fil panneau soleil, le fil rouge et noir qui parle de charge contrôleur et puis ça c'est le fil l'entrée qui est là qui est toujours dans la même section que nous faisons courir séparé. Ok, nous allons descendre là et puis après entrer, nous allons jouer une batterie avec charge contrôleur, panneau soleil, batterie à l'intérieur. Il y en a ça, deux dans ça. Ok, on va le faire. Ça va prendre une batterie, il faut que tu aies quand même une batterie. On va le faire bien. On va le faire côté. La charge contrôleur pour changer la batterie. Ok? Maintenant c'est fini. Vous êtes d'accord? Oui, c'est fini. Hein? Ça va changer. Après ça, on va le mettre panneau. On va le mettre positif, on va mettre négatif. On va tout mettre là avec ça. On va tout mettre là avec. Et. Là, ça va tout. Ok? Négatif. On va mettre ça. On met ça. Des batteries. Aïe. Faut nous ouvrir les comme ça, vous voyez pas. Et puis une sous l'autre, il va vous faire même bien. Vous voyez devant que ça. Amen. Alors c'est câble. On va connecter en l'air. Thank you.
batterie à capacité checker, va le mettre à l'air. 48 volts. Bon, ok. C'est même là, quand il y a un bon circuit breaker dans ça, dans un circuit breaker qui marche même genre avec un fuse. Ok, nous mettons la sortie charge contrôleur pour avoir une batterie. Donc c'est sortie charge contrôleur pour avoir une batterie, un circuit breaker là-dedans. Et puis nous te mettons manuel on off, là, on a fait maintenance pour nous éteindre. Circuit breaker a fait même travail à tout, mais nous juste mettons un double safety. Et puis ça, c'est 175 ampères fuse qui saute là. Batterie calme inverter et puis nous avons batterie capacité checker et puis en gros c'est ça donc nous juste pour le connecter sur la panneau soleil yo, pour nous ouais voltage ça nous fait lumen donc nous fait connecter yo, c'est ça le bail ça très précis parce que le bail 48 parce que nous fait acheter batterie yo, fait connecter il bail que batterie yo à 48%. Ok, guys. Nous allons dire au revoir. Donc, on va juste connecter pour un. Inverter. Ok, et charge contrôleur là, il recevoir. Vous mettez là 62 volts de panneau soleil. Ils sont gérés à recevoir jusqu'à 170 volts. Et puis, la charge batterie là va durer à 42% avant de la. Il y a 52% avant d'être à 46%. Donc c'est ça. Ok. Ok. Donc c'est avant sa batterie là. Hein. À 53% et puis j'ai le panneau soleil à 62 volts actuellement. Donc on a juste pas le connecter courant et puis pour qu'elle ait courant 24 heures sur 24. Comme le dit notre président. Ok, donc c'est ça. Ça très précis, très très précis. Très très précis. La base 5 ampères parce qu'on est à 6 heures du soir. Le bon soleil fini net. 5 ampères, ok. Bye bye. Son installation a été faite dans pas trop longtemps. Et puis nous mettons toute protection possible. Donc nous avons un fuse qui saute. Alors nous mettons 3 fuses sur le système là. Nous avons un fuse qui sort dans le panneau directement. Ou si vous avez un circuit quelconque, peu importe le courant qui a tourné, il a sauté le fuse. Là, c'est le fuse. Il a sauté le fuse. Il ne peut pas sauter le panneau. Parce que le panneau, encore une fois, il y a un diode dans le dos. Il y a endommagé tout. Donc, nous, pour éviter ça, nous mettons le fuse là-dedans. Et nous pas excéder la capacité de fuse. Parce que chaque panneau a baillé au maximum 11 ampères. Au maximum de 11 ampères. Donc, nous mettons en série, c'est-à-dire deux voltages, parce que nous faisons deux séries de, par exemple, 38.5, bon, on dit 40 volts. 40 volts, 40 volts, à bord 80. Ok? Et puis 40 volts, 40 volts sur l'autre bord 80. Nous allons mettre 2,80 volts à yo, en parallèle. C'est-à-dire, ça qui vient de jouer charge contrôleur, c'est 80 volts. Nous mettons 2,80 volts en parallèle, nous mettons en parallèle le même voltage à respecter, c'est l'intensité qui a augmenté. Alors, par le fait que je m'avais expliqué ça, par le fait que chaque panneau fournit environ légèrement moins que 11 ampères, mais mettez au maximum, ça fait mettre fuse pour protéger, fuse à son fuse 30 ampères. Chaque panneau fournit au maximum, il arrive 11 ampères, on dit. Nous mettons un fuse 30 ampères. Oui, il est bon pour protéger, parce que on ne peut pas mettre un fuse qui est exactement sous ampérage. Je viens sous ça, oui, parce que ça me l'a dit par là. Lorsqu'il y a 11 ampères plus 11 ampères que nous allons expliquer plus devant, les vinbow 22 ampères, c'est-à-dire soumettre un fuse qui 20 ampères à n'importe qui le cas sauter. N'importe qui moment le cas sauter au carré tour par un coup on cap charger batterie pas dire ça rien et puis c'est fuse qui cap sauter. Donc on gain intérêt by fuse en valeur qui antigène plus élevé, pas exagéré, mais qui antigène plus élevé que quantité courant cap passer là-dedans. Oui, et pour me tourner à ça m'tab dire, nous gagnons panneau
on dit c'est 38 points epic volt, mais on dit c'est 40 volts pour plus précis dans le calcul. Nous mettons 2 en série, c'est 4 panneaux nous gagnons pour montage, comme nous avons remarqué dans la vidéo. Nous mettons 2 en série, c'est-à-dire 40 plus 40 pour 80 volts, et puis on l'autre 40 plus 40 pour 80 volts, et puis nous venons mettre 2 chaque série comportée dans un seul panneau, et puis nous venons mettre en parallèle. Il y a toujours le même ampérage qui c'est 11 ampères en 10, parce que c'est le maximum qui est brivé. Ok, il y a toujours le même ampérage là. En série, c'est juste le voltage à augmenter. Quand il y a, là, nous venons mettre chaque panneau, ça, deux panneaux qui sont considérés comme union, chaque en parallèle, quand il y a, il y a le même voltage là, ampérage additionné. C'est-à-dire, nous avons 11 ampères, 11 ampères, là, nous venons mettre en parallèle, là, nous avons 22 ampères. Ça, c'est le maximum là, c'est juste pour protéger le système là, pour fuser, pas sauter. Donc, nous venons gagner un maximum de 22 ampères qui a traversé là-dedans pendant qu'il a toujours été 40 et 80 volts. Donc, c'est ça. Nous mettons deux fuses dans le système là. C'est-à-dire, dans chaque deux panneaux, nous avons une fuse de 30 ampères qui est là. Comme nous remarquons dans la vidéo. Donc, le système là fonctionne très bien, très très bien. Parce que la journée, et, alors, nous dit, tout panneau, ben, nous avons un maximum de. Parce que chaque panneau a fourni un maximum de 330 watts. Donc 330 watts plus 330 watts à bord 660 watts. Et si toutefois, parce que nous venons mettre en parallèle quand même, là, ben, nous avons un maximum de 660 watts à bord 1320. Yeah. 1320. C'est-à-dire, nous avons un maximum de 1320 watts de panneaux qui peuvent faire le charge contrôleur, l'ampérage et le charge contrôleur pour l'amplifier parce que nous utilisons MPPT. Nous amplifier légèrement pour le cap banon maximum puissance possible. Donc, nous utilisons un charge contrôleur 60 ampères et puis. Inverteur nous gagnons son inverteur 3000 watts qui est lié. Le système a fonctionné très bien. Mon yo, à longueur de journée, il a utilisé frigidaire, c'est-à-dire depuis 7h du matin pour jusqu'à 5h de l'après-midi. Tout glace tout à fait bien gelé. Et puis, parallèlement, des fois, il a besoin d'utiliser faire repasser, déconnecter frigidaire pour un petit moment, repasser radio. Donc, c'est comme ça. Je conseille tout le monde de fonctionner off-grid. Et puis, le soir, il a mis un ventilateur. Et puis, le levé dans le matin, il y a toujours joué le système à 70%. Donc, elle a fonctionné très très bien. Et puis, à la longue, nous allons parler de batterie de solfeilleur. Batterie de solfeilleur a son petit appareil fait pour mettre sous batterie et puis la permettre de poursuivre le fatpap fait dans la cellule. Donc, la permettre la batterie à vivre plus longtemps parce que ça crase la batterie, c'est le de poursuivre le fatpap fait dans la cellule qui vient des fois faire un petit gens gonflé, gens de base. Donc, la batterie de solfeilleur, c'est ça qui permet la batterie à vivre plus longtemps. Il permet la batterie presque à aller à deux fois, voire trois fois la longueur de vie normale. Et par exemple, automatic transfer switch, là, Wally, c'est si par exemple on a fonctionné sous Delco, et puis pour le juste permettre pendant que est sous Delco, et puis l'inverteur monter rapidement. Son l'autre appareil, son l'autre boîte qui presque gros son inverteur, et puis il fait automatic transfer. Vous pouvez le transférer sous tes sous Delco. On double tour de cap fait manuellement, lui même tout fait automatique. Courant d'elle pour entrer là-dedans, ou bien courant, si on a utilisé courant ville entrer là-dedans, courant l'état fourni entrer là-dedans, et puis pendant que vous avez un système inverteur, qu'on y a l'eau éteint de la génératrice ou bien ou coupe le courant de ville là, et puis il est tout automatiquement sur inverteur, mais il faut inverteur avec lui, mais il est comme ça. On a toujours demandé à tout le monde de partager la vidéo, partager à amis, parce que c'est important pour Chanel là. Et c'est important pour nous tous, pour connaissance, parce que jusqu'à présent, malgré moi, Haïti et panneau solaire, système solaire est très courant, tout côté où je viens de panneau solaire, je sais. Parce que tout sur le car là, le nom est au car, il y a un paquet, le nom est. Comment ça fait? Il y a 4 chemins. C'est-à-dire tout sous ligne là, nous avons pile panneau, donc nous avons intérêt à partager la vidéo pour nous gagner connaissance. On ne peut pas faire négligence qui pour craser panneau bien vite ou bien pour finir la batterie en seul coup. Ou bien pour les mettre différents cailloux que nous pas souhaiter. Donc partagez la vidéo à amis nous et puis si nous like, toujours un petit pouce là. Et puis inscrire, encouragez-vous pour inscrire. Et puis choisir cette cloche là, le nom toucher cette cloche là, choisir tout.
côté sélectionné, côté marqué tourage sélectionné pour nous capable toujours gagner vidéo mieux les faire sortir pour nous gagner information. OK, on a remercier tout le monde pour support et puis qui veut faire tout sur channel là. Encore une fois avec Suzanne pour qualité son hein, qui ne connaît pas trop bon et puis éclairage à tout parce que le nom en bas et éclairage pas bon du tout, nous reconnaître ça. L'essentiel c'est information, on a juste besoin partager l'expérience avec nous, faire nous ouais et tout montage. Donc c'était ça qui était bien important pour nous. Je pense que c'est tout. Merci à tout le monde qui a participé. Merci à tout le monde qui like, qui commente sur la vidéo. Nous apprécions ça. Ok, à la prochaine.